Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous dévoile aujourd'hui les secrets bien gardés de l'huile de pépin de raisin. Elle a été présentée comme une merveille de beauté naturelle, présentant également des bienfaits pour la santé. L'huile de pépin de raisin est devenue un ajout populaire à de nombreux produits de beauté en raison de ses bienfaits entièrement naturels. Si vous aimez ce genre de contenu, likez, partagez et abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti! L'huile de pépin de raisin est une huile entièrement naturelle, extraite de pépins de raisin issus de la vinification. Une fois le vin obtenu, en pressant les raisins, de minuscules graines restent. L'huile de pépin de raisin est ensuite extraite de ces restes de pépins de raisin à l'aide d'une méthode d'extraction par pression à froid. Le nom scientifique du raisin est Vitis vinifera et appartient à la famille des Vitacées. Au XIVe siècle, le roi de Castille et Léon Ferdinand IV développèrent l'huile de pépin de raisin et l'utilisèrent pour traiter les problèmes de peau. Ils ont nommé l'huile de pépin de raisin l'huile royale ou l'huile du trône. C'est une riche source d'acides linoléiques, d'acides stéariques et d'acides palmitiques. L'huile de pépin de raisin a une saveur neutre et est parfois utilisée pour la cuisson à haute température en raison de son point de fumée élevé d'environ 215,5 degrés Celsius. Cela signifie qu'elle peut résister à des températures élevées sans s'oxyder ni perdre sa saveur. Les propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes de l'huile de pépin de raisin en font une huile merveilleuse pour votre santé globale. Vous pouvez l'utiliser pour cuisiner ou l'ajouter à votre régime de soins de la peau et des cheveux pour profiter de ses bienfaits. L'huile de pépin de raisin est riche en proanthocyanidine, un composé riche en antioxydants, 50 fois plus efficace que la vitamine E et 20 fois plus puissant que la vitamine C. Propriétés et utilisation thérapeutique. 1. Riche en acides gras oméga 6. L'huile de pépin de raisin a une teneur élevée en graisses polyinsaturées. La plupart de ces acides gras polyinsaturés se présentent sous forme d'acide linoléique, un acide gras oméga 6. Notre corps ne fabrique pas ces graisses saines, il est donc essentiel que nous les apportions dans notre alimentation. Une alimentation riche en acides gras oméga 6 a été associée à une meilleure protection contre le soleil. Ces acides gras peuvent aider à protéger contre les signes du vieillissement cutané, comme les rides et la sécheresse. Cependant, bien que le corps ait besoin à la fois d'oméga 6 et d'oméga 3, la consommation de niveaux élevés d'acides gras oméga 6 peut faire pencher la balance vers une inflammation dans le corps. Les acides gras oméga 6 se trouvent dans de nombreux aliments emballés ou transformés. La plupart d'entre nous en consomment donc beaucoup dans notre alimentation. Et il serait préférable d'utiliser des huiles de cuisson ayant un ratio d'acide gras plus sain. 2. Vitamine E. L'huile de pépin de raisin est riche en antioxydants comme les vitamines E. Elle contient plus de vitamine E que l'huile de soja ou l'huile d'olive. Les avantages de la vitamine E comprennent la protection des cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, le soutien de l'immunité, la santé des yeux, la santé de la peau, ainsi que de nombreuses autres fonctions corporelles importantes. 3. Possède des propriétés anti-inflammatoires. Les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de l'huile de pépin de raisin aident à combattre l'inflammation chronique. L'inflammation peut causer une multitude de problèmes de santé, notamment des douleurs articulaires, des problèmes intestinaux, des problèmes de peau, entre autres. 4. Propriétés antibactériennes et antifongiques. La littérature suggère que l'huile de pépin de raisin possède des propriétés antibactériennes qui pourraient agir contre certaines souches bactériennes présentes dans votre intestin, vos aliments et votre environnement. La littérature mentionne notamment son efficacité contre Staphylococcus aureus et Escherichia coli. 5. Utilisation potentielle pour le diabète.
L'huile de pépins de raisin est une riche source de composés phénoliques et flavonoïdes. Elle peut également contenir de la procyanidine et agir contre le diabète. Dans une étude menée par Montagu et Hall, des rats ont reçu de la procyanidine de pépins de raisin. Il a été démontré que cette huile peut équilibrer l'insuline et le glucagon, ce qui peut maintenir des niveaux de glucose optimaux. La même étude a montré que l'huile de pépins de raisin peut interagir avec les récepteurs de l'insuline qui stimulent l'absorption du glucose. Cela peut aider à réduire le diabète. 6. Utilisation potentielle pour le cancer. L'huile de pépins de raisin contient des composés phénoliques qui pourraient présenter des propriétés anticancéreuses sans affecter les cellules saines. Shea et Hall, en 2014, ont montré que la présence de procyanidine dans l'huile de pépins de raisin pourrait être utile contre le cancer du côlon. En outre, plusieurs expériences ont montré l'efficacité de cette huile contre le carcinome épidermoïde de la tête, du cou et de la prostate. 7 peut améliorer la santé et l'apparence de votre peau. Dans une étude menée par le Centre médical de l'Université de Maryland, la consommation d'huile de pépins de raisin peut augmenter les niveaux d'antioxydants dans le sang. Cela pourrait également aider à réduire les cernes sous les yeux et à maintenir la présence de collagène et d'élastine, ce qui peut aider à réduire les rides du visage. Grâce à ses propriétés antioxydantes, elle pourrait être utile pour protéger la peau contre les rayons UV du soleil. Elle peut également être utilisée comme hydratant pour la peau, car elle est très légère, apaise la peau, ne laisse pas de résidus d'huile et réduit la perte d'eau. Cette huile peut aider à éclaircir les cicatrices d'acné et les taches solaires grâce à sa teneur en vitamine E. 8. Utilisation potentielle pour le processus de cicatrisation des plaies. L'huile de pépins de raisin peut guérir les blessures et réduire les cicatrices chez l'homme. Dans une étude, de l'extrait de pépins de raisin a été administré sur des blessures cutanées chez des animaux et des humains. Il a été démontré que les plaies traitées avec l'extrait d'huile de pépins de raisin guérissaient plus rapidement que les plaies qui n'en avaient pas reçu. 9. Utilisation potentielle pour les cheveux. L'huile de pépins de raisin peut aider à améliorer la circulation sanguine dans la région du cuir chevelu dans le cas d'une affection appelée alopécie androgénique qui peut provoquer une perte de cheveux chez les hommes, en particulier chez ceux de plus de 50 ans. Les flavonoïdes peuvent bloquer l'apoptose ou mort cellulaire naturelle des follicules pileux. De plus, les huiles essentielles telles que le romarin et la lavande, ainsi que l'huile de pépins de raisin, peuvent apporter des effets revitalisants et faire briller les cheveux. Appliquez quelques gouttes d'huile après le shampoing est la meilleure façon de l'utiliser dans le cadre de votre routine beauté. Lorsqu'elle est massée directement sur le cuir chevelu, les propriétés hydratantes naturelles de l'huile de pépins de raisin aideront à apaiser les démangeaisons et la peau sèche en restaurant la nutrition des cellules de la peau et en réduisant les pellicules. L'huile aide également à équilibrer les niveaux de pH naturels du cuir chevelu, favorisant ainsi une croissance saine des cheveux pour des mèches plus fortes et plus brillantes. 10. Utilisation potentielle pour le cholestérol. L'huile de pépins de raisin peut réduire l'absorption du cholestérol dans l'intestin. En conséquence, elle peut abaisser le taux de cholestérol plasmatique. Kim et Hall, en 2010, ont étudié les effets de l'huile de pépins de raisin chez le rat. Les résultats ont montré une diminution du cholestérol total. 11. Peut favoriser la santé cardiaque. Dans une revue, des chercheurs ont déclaré que la composition et le profil nutritionnel de l'huile de pépins de raisin offrent des avantages cardioprotecteurs ainsi qu'une protection contre l'inflammation et le cancer. L'huile présente des bienfaits pour la santé qui peuvent aider à réduire les caillots sanguins. Il a également été constaté qu'elle réduisait la viscosité du sang, ce qui le rendait moins susceptible de former des caillots épais susceptibles de bloquer des artères et des veines importantes. De plus, cette huile peut améliorer la santé de vos artères en prévenant la formation de plaques et en réduisant les dépôts existants.
12 utilisations potentielles pour la maladie d'Alzheimer. Béraman et Cole évaluent l'efficacité de l'huile de pépin de raisin sur la maladie d'Alzheimer chez des rats mâles. Il a été démontré que l'huile pourrait améliorer l'efficacité des antioxydants. De plus, cela pourrait arrêter les signaux liés à la mort cellulaire et aux dommages à l'ADN, ce qui pourrait ralentir la maladie d'Alzheimer. Différentes formes d'huile de pépin de raisin. La plupart de l'huile de pépin de raisin que vous trouverez en magasin est raffinée. Cependant, vous pouvez également trouver des versions moins transformées, comme l'huile biologique pressée à froid. Raffinée. Pour fabriquer de l'huile de pépin de raisin raffinée, une fois l'huile extraite des pépins par pression et friction, elle est traitée avec des solvants chimiques qui aident à préserver l'huile et lui confèrent un point de fumée plus élevé. Cependant, ils ont tendance à réduire le profil nutritionnel de l'huile au cours du processus. Pressée à froid ou non raffinée. L'huile pressée à froid est pressée et filtrée naturellement ou mécaniquement. Les produits chimiques et la chaleur ne sont pas introduits. Biologique. L'huile de pépin de raisin biologique est généralement également pressée à froid. C'est parce que les solvants chimiques utilisés dans l'huile de pépin de raisin raffinée ne sont pas biologiques. Effet secondaire potentiel de l'huile de pépin de raisin. En règle générale, cette huile peut être consommée sans danger pour la plupart des gens. Il est conseillé cependant d'utiliser une autre huile si vous souffrez d'un trouble sanguin, si vous prenez des médicaments anticoagulants ou si vous devez subir une intervention chirurgicale prochainement. De plus, l'huile de pépin de raisin est riche en graisse, elle doit donc être consommée en petite quantité pour éviter une prise de poids. Et voilà, ce sera tout pour l'huile de pépin de raisin. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et infos. Prenez soin de vous et de vos proches. Très bonne santé à tous. À bientôt.